Et breton commissaire européen qui aujourd'hui gère le dossier, effectivement, ce qui pose quelques petites Oui. questions comme ça de conflit d'intérêts. Bizarrement, personne n'en parle ou très très peu, mais moi ça me choque énormément, évidemment, qu'au niveau de l'Union européenne, un ancien dirigeant d'un de ces grands opérateurs historiques qui pousse très très fort sur ce sujet du faire cher, bizarrement, celui qui a le dossier en main. Moi, voilà, je trouve ça assez étonnant, effectivement, comme vision.